Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour cette nouvelle émission de Studio Lacan. Ce soir, nous allons parler de l'impérialisme russe en question et nous avons pour ça deux invités, Françoise Thom qui sera avec nous à distance et Madame Aude Merlin. Françoise Thom, donc vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à la Sorbonne, historienne et soviétologue. Vous avez donc publié récemment un livre qui s'appelle « La marche à rebours, regard sur l'histoire russe et soviétique » qui nous a inspiré pour cette émission. Un livre plus ancien « Comprendre le poutinisme », des livres sur Gorbatchev, un livre sur Beria, dont vous faites un portrait curieux, étonnant et ambigu. Beria, donc l'un des bourreaux de Staline. Alors, Aude Merlin, vous êtes chargée de cours en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Vous venez de Belgique. Vous êtes une spécialiste de la Russie et surtout du Caucase et de la Tchétchénie. Vous êtes notamment l'auteur avec Maïr Bek Vatchagaev de L'Aigle et le Loup chez Buchet-Chastel, consacré à la guerre en Tchétchénie, mais très original sur la guerre en Tchétchénie au 19e siècle. Ça n'a pas commencé au 20e siècle, c'est beaucoup plus ancien. Ordre et désordre au Caucase en 2010, et souvent votre point de vue, et notamment le point de vue des vaincus, le point de vue de la Tchétchénie. Vous venez donc d'intervenir très régulièrement à la radio-télévision belge, où vous intervenez donc de façon assez fréquente. Voilà. Alors, ma première question va porter sur ce qui fait la singularité de l'impérialisme russe. Françoise Thom, par exemple, vous notez, en tout cas j'ai relevé, ce qui fait paradoxe, car d'un côté vous dites de cet impérialisme russe qu'il fait suite, il s'inscrit dans la logique et dans la suite de Gengis Khan, des tsars des Russies, mais d'un autre côté vous faites aussi sa place au fait que cet impérialisme russe est dû aussi à l'effondrement du soviétisme. Donc j'aimerais que vous puissiez éclairer pour nous ce paradoxe. Aude Merlin, vous soutenez que cet impérialisme russe s'est manifesté déjà il y a un moment avec la première guerre de Tchétchénie il y a 20 ans. Donc j'aimerais que vous reveniez, que vous nous éclairiez sur ce point. Mais d'abord, je vais passer la parole à Françoise Thom. Oui, je pense que cet impérialisme russe a des racines très profondes dans l'histoire de la Russie. Son originalité, c'est l'originalité russe, c'est d'abord que la Russie s'est constituée en empire avant de se constituer en nation. Cette logique impériale, cette logique de conquête, dont elle a hérité, je pense, de la longue, on peut dire, cohabitation avec la Horde d'Or. C'est grâce à la Horde d'Or que la principauté de Moscou a pu s'élever au-dessus des autres principautés de Russie. Et donc il y a cet aspect-là, une logique de conquête, évidemment, qui existe, on peut dire qui existe dans toutes les principautés de l'époque, mais l'originalité russe, encore une fois, c'est que la nation n'existe pas véritablement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le substrat spécifique, c'est le substrat
religieux, c'est l'idée que la Russie, c'est la troisième Rome et qu'il n'y en aura pas de quatrième. Merci pour cette réponse. Oui. L'impérialisme russe est présenté par les Russes comme une espèce de politique d'amour. Hein. C'est l'extension de, un petit peu comme on voit aujourd'hui à l'égard de l'Ukraine, n'est-ce pas? Les Ukrainiens sont nos frères, c'est un peuple frère, donc c'est l'expression de cette politique, encore une fois, de presque, on pourrait dire, humanitaire, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, qui est cet aspect-là est mis en avant. Mais il recouvre en fait cette prétention messianique religieuse qui est au cœur de l'impérialisme russe. Mais alors, quand même, en quoi est-ce qu'il est dans la suite logique de l'effondrement de l'Empire soviétique? Puisque vous évoquez alors, aussi ça. Ce qui est très important, c'est que Staline... et ça, c'est l'originalité de Staline par rapport à Lénine, c'est qu'il a compris la force du nationalisme russe et de cet impérialisme russe dès le début, dans sa lutte contre Trotsky, contre les autres proches de Lénine, après la mort de Lénine, et il s'est positionné en quelque sorte en partisan de l'impérialisme spécifiquement russe. Et puis au milieu des années 30, cette référence est devenue tout à fait explicite, hein, avec la réhabilitation de certains tsars, parce qu'ils ont étendu l'espace de cet empire. On se souvient du film Ivan le Terrible qui illustre très bien cette fusion entre l'impérialisme russe, on peut dire traditionnel, et le bolchevisme. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de parasitisme entre le communisme stalinien et le nationalisme impérial russe, si on peut dire. Merci beaucoup. Aude Merlin, vous voulez bien nous dire un peu l'impérialisme russe vu à propos de la première guerre en Tchétchénie? Oui, ce que je voudrais peut-être ajouter avant de répondre spécifiquement à votre question et en complément de ce que disait François Stomme, c'est qu'il y a aussi une autre spécificité de l'impérialisme russe ou de l'empire russe historiquement, c'est que, à la différence des empires que nous connaissons plus près de nous, des empires ultramarins, français, belges ou britanniques, c'est que là, ouais, c'est un empire d'un seul tenant territorial, un empire continu géographiquement. Et ça, c'est aussi une spécificité lorsque l'on essaye d'identifier et de tracer, au fond, les limites entre la métropole et les colonies. Où s'arrête la métropole, où commence la colonie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très singulier. Alors, il y a d'autres empires d'un seul tenant géographique dans l'histoire, hein. Enfin, l'Empire romain, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman. Mais c'est très important, en tout cas, justement, avant d'aborder la question de la Tchétchénie, pour justement montrer qu'il y a là une forme de continuum et de difficulté à identifier. Entre la France et l'Algérie, entre la Belgique et le Congo, il y a une mer, et c'est même gravé en quelque sorte dans la résolution de 1960 des Nations Unies sur la question des peuples coloniaux, où on peut dire très clairement où est la métropole, où est la colonie. Et en fait, typiquement, cette extension de la peau de l'Empire sur le temps long, donc de l'histoire russe, et donc qui a été évoquée, présentée par François Stomme, voilà, elle se fait par conquête, justement, et par avancée après, justement, la principauté de Moscou, et puis ensuite, donc la prise d'Astrakhan, Kazan, et ainsi de suite, et ensuite les conquêtes de la Sibérie, de l'Asie centrale au XIXe siècle, et du Caucase. Et donc, pour aller plus précisément sur votre question, c'est sûr qu'on a une manifestation, même une scansion assez marquante avec la première guerre de Tchétchénie post-soviétique, mais comme vous l'avez souligné en me présentant, la conquête du Caucase du Nord a été très rugueuse, c'est-à-dire qu'en fait, l'empire tsariste, l'armée impériale, s'est heurtée à une résistance. Il y a une résistance très vigoureuse dans le Caucase du Nord et notamment dans les territoires de l'actuelle Tchétchénie, mais aussi dans les territoires du Caucase de l'Ouest. Et donc, là, on peut d'une certaine façon voir, avec les guerres de Tchétchénie post-soviétique, le retour
Alors, est-ce que c'est d'un refoulé ou est-ce que c'est une compulsion de répétition? Mais en tout cas, c'est vrai que le territoire tchétchène a été, au moment de la naissance de la Russie post-soviétique, d'une certaine façon, une forme de point d'acmé ou de point paroxystique de cette confrontation entre la métropole et la colonie, avec d'ailleurs des images. Enfin, vous avez parlé de L'Aigle et le Loup, c'est le titre qu'on avait donné avec l'éditeur, donc au livre de Meyerbeck, Vatchagev, que j'avais traduit, avec le, qui j'avais retravaillé un petit peu le manuscrit. Moi, j'ai le souvenir aussi en Tchétchénie d'avoir, voilà, parfois, en discutant avec un Tchétchène qui avait été torturé et qui avait subi vraiment, d'une certaine façon, là aussi, ce retour, en fait, de la pulsion d'empire, qui parlait de, d'un conflit qu'il hébergeait dans son âme et qui disait « j'ai un ours et un loup qui se battent dans mon âme », avec l'incarnation, en fait, de l'empire contre, justement, ce loup libre que l'empire essaye de coloniser. Ou alors un autre Tchétchène que j'ai pu rencontrer à Grozny, qui portait sur lui en talisman une griffe, un poil de loup et une griffe. Donc voilà, donc en fait, il y a vraiment cette incarnation de la, vraiment de la friction entre le colonisateur et le colonisé. Et donc oui, c'est revenu. Là, peut-être ce sur quoi j'aimerais bien mettre l'accent dans une tentative de répondre à votre question, c'est en fait... La Russie, après l'effondrement de l'Union soviétique, elle s'est trouvée dans un statut très ambigu. C'est-à-dire qu'à la fois, elle incarnait, d'une certaine façon, la continuation de cet empire en un petit peu plus petit, mais avec en son sein des peuples colonisés historiquement, et donc elle avait affaire à toute cette question du pluralisme ethnique et de l'héritage impérial, mais elle était aussi, et c'est une grande ambivalence, elle était aussi une des 15 républiques de l'Union qui s'émancipait elle-même du carcan soviétique. Donc elle était à la fois empire qui continuait à donc tenir en son sein des peuples colonisés, mais elle était aussi censée à ce moment-là, avec ce discours sur la démocratie, le fait de rejoindre une communauté euro-atlantique, se libérer elle-même du carcan soviétique. Donc il y a une très grande ambivalence là, sur le statut de la Russie, qui après, donc effectivement, a lancé les troupes à Grozny en décembre 1994 et a joué de façon très paroxystique le retour de l'histoire coloniale. Par deux fois, on pourra y revenir. J'aimerais bien maintenant venir sur la question de l'autocratie. Dans le fond, auteur célèbre Cioran a pu dire que la Russie c'était 1000 ans d'autocratie. Et donc, si on en fait, il me semble, François Aston, vous en faites d'une certaine façon une constante de l'histoire russe, en traçant une trajectoire de Gengis Khan à Poutine, dans le fond. Et vous avez notamment cette phrase que j'exagère peut-être un peu, où vous dites que la Russie serait, dans le fond, un État sans société. Vous dites même que l'État apparaît un peu comme une armée d'occupation. C'est ça, et je me demandais, c'est une question pour vous, et pour Aude Merlin, dans le fond, la Tchétchénie n'étant pas la Russie, comme vous venez de le montrer, est-ce que peut-on dire de la société des Tchétchènes et de son rapport à l'État? Est-ce que ça a changé avec la colonisation russe? Je vous en prie, Françoise Thom. Oui, je crois d'ailleurs qu'il y a une incompréhension de l'État parmi les dirigeants russes, et c'est une des causes de l'erreur qu'a commise Poutine en lançant la guerre contre l'Ukraine. Il n'avait pas compris qu'il avait affaire à un État, que l'Ukraine s'était constituée véritablement en État, parce que tout simplement parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un État. C'est ça. Lui, il a comme idée une pyramide verticale du pouvoir, comme il dit, c'est-à-dire la matrice autocratique traditionnelle russe. C'est ça pour lui l'État, c'est cette verticale du pouvoir. C'est un petit peu ce qui existait à l'époque soviétique, une verticale du pouvoir qui était assurée par le parti communiste. Et au moment où le parti communiste s'effondre, eh bien vous avez une crise totale de l'État, de l'Empire, à chaque succession. Vous avez une crise à chaque succession à la tête du parti, vous avez une crise de l'Empire. Vous avez une crise au moment de la mort de Staline avec l'insurrection de Berlin et ensuite l'insurrection hongroise. Tout ça est lié au délitement du Parti
communiste, donc de cette verticale du pouvoir qui intégrait cet empire. Et vous avez la même chose à la période de Gorbatchev, lorsque la verticale du pouvoir se désintègre. Vous avez une désintégration de l'empire qui n'est pas un État, en fait, qui n'est pas un État. Et il y a, je pense que les proches de Yeltsin considéraient que cette désintégration était provisoire et que leur tâche serait de reconstruire l'empire, un empire modernisé, bien sûr, un empire peut-être un peu dans la conception qu'avait Chubais, un empire capitaliste, on peut dire, qui serait tenu aussi par des mécanismes économiques, mais ils avaient dès le début l'idée de reconstituer l'empire de la même manière que Staline a reconstitué l'empire après la débâcle de 1917. Donc je crois que ce projet impérial, il existait même dans la Russie démocratique, et d'ailleurs ça se voit très bien aux guerres de Tchétchénie, hein, qui montrent à quel point ce sentiment impérial était vivace, même chez les réformateurs et les démocrates russes. Merci. Aude Merlin, je vous en prie. Oui, sur la question de la société tchétchène et de l'État. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental, enfin, dans cette histoire de l'Empire russe et de ce qui revient, c'est l'articulation entre les poussées, soit expansionnistes, soit voilà, impériales, et le durcissement du régime. C'est-à-dire qu'évidemment, les deux sont liés de façon intrinsèque. Enfin, on voit bien que précisément, et c'est dans ce que disait François Stomme sur justement les moments de rupture ou les moments d'effritement, enfin, on le voit très bien dans l'histoire russe sur le temps long, c'est-à-dire que quand le régime est fragilisé, les poussées centrifuges et de libération nationale, anticoloniale, se réaffirment et réapparaissent. Et donc on le voit en 1905, on le voit en 1917 et on le voit au moment de la perestroïka de Gorbatchev. Donc ça, c'est très typique et assez systématique, en fait. Et alors, sur la question de la société tchétchène ou des sociétés russes et tchétchènes, moi, je pense qu'effectivement, enfin, ce qui est assez intéressant, bon, il y a une transformation de la société tchétchène par la conquête à l'époque tsariste et par la soviétisation, ça de toute façon. C'est-à-dire que la soviétisation, même si l'Union soviétique ne se présentait pas comme un empire au niveau de son auto-désignation, hein, alors évidemment, là, on peut dire que c'est orwellien, on peut traquer les contradictions, voire même les inversions langagières, mais en tout cas, le pouvoir soviétique présentait l'Union soviétique comme, au départ, en tout cas, une union libre de nations libres, même si, comme on le sait, dès la guerre civile, il y avait eu des reconquêtes par l'armée rouge, en fait, qui avaient récupéré des territoires par la force, alors que Lénine avait appelé, voilà, avait invité les peuples périphériques à prendre leur liberté. Et la société tchétchène, elle était d'une certaine façon très horizontale, à travers en tout cas les textes qui peuvent témoigner de son organisation, les quelques travaux d'historiens dont on a connaissance. Donc il y avait en fait des organisations donc à la fois autochtone et autogérée sur la gestion de la sécurité, la gestion en fait voilà d'une économie très locale et d'une économie de la sécurité des personnes et de la sécurité du groupe, avec aussi un lien très fort entre l'individu et le collectif et des subdivisions dans ce qu'on appelle les tapes, voilà, donc des clans qui organisaient en fait leur sécurité, et puis toute une matrice de mariage entre tapes, entre clans, qui justement était complètement articulée à cette question de la sécurité, parce qu'il y avait des razzias, il y avait des attaques, il y avait des pillages, etc., etc. Alors, c'est sûr que bon, l'armée tsariste, comme je disais, s'est vraiment heurtée à une résistance extrêmement vigoureuse, ce qui fait que les Tchétchènes l'ont payé très très cher en termes de décimation. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on voit effectivement, là, quand il y a une résistance et que la population est prête à résister de façon vigoureuse, bon, ça se paye extrêmement cher en sang versé et en mort. Et la soviétisation a transformé aussi très fort la société tchétchène, et là au sens où, avec justement l'envoi
de cadres politiques, économiques, russes, slaves, à Grozny, comme c'était le cas d'ailleurs dans toutes les capitales, on voit bien qu'il y avait une réactualisation d'éléments de politique coloniale. C'est-à-dire qu'à la fois l'Union soviétique ne se définissait pas comme un empire, mais en réalité, elle remettait au goût du jour, si on peut dire, des instruments de politique de domination, et y compris de domination culturelle, voilà, ce qui fait qu'effectivement la perception, voilà, de se retrouver à nouveau colonisé. Alors est-ce que c'était une occupation? Les Baltes ont des musées de l'occupation. À Tbilissi, il y a un musée de l'occupation soviétique. Et c'est vrai que les Tchétchènes, ils ont toujours considéré qu'en fait, les Russes, qu'ils soient à l'époque tsariste ou soviétique, étaient aussi une occupation. Et donc, cette société, elle a à la fois été modernisée, alphabétisée, mélangée aussi à travers ce qu'on peut appeler un homo sovieticus tchétchénicus, mais avec aussi des Russes, des Ingouches, donc très mélangée, avec une, également une émancipation, en tout cas une promotion de la place des femmes dans la société. Enfin, donc, il y a là encore des dynamiques qui sont très ambivalentes, à la fois de modernisation et en même temps de domination. Et oui, la société a été très, très modifiée, très transformé et également abîmé, mutilé et traumatisé, notamment par la déportation par Staline en 1944. Là, il y a un traumatisme alors, majeur. Justement, je trouve précieux ce que vous nous apportez là sur ce soviétisme à l'œuvre, enfin, comment l'impérialisme de la Russie fonctionne. Et je voudrais revenir un tout petit peu sur. Au fond, la nature de l'État russe, et vous interroger sur son lien avec la mafia. Est-ce qu'on peut dire, au fond, que la Russie est un État mafieux? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Je m'adresse à vous, François Stomme, sur un point. Vous dites, c'est absolument édifiant, un Russe sur quatre est passé par le goulag. Et vous dites qu'au goulag, la pègre, il fait la loi, mais... Un homme russe. Vous avez raison, c'est un homme. Oui, vous avez raison, c'est un homme. Et vous nous dites, vous nous renseignez sur le fonctionnement du goulag, vous dites qu'au fond, la pègre fait la loi au goulag, mais quand même, à vous suivre, on voit que le règne de la pègre ne s'arrête pas au goulag. D'ailleurs, vous dites que le langage... porte la marque du goulag, et vous avez cette citation à propos de Poutine, vous dites son éloquence, je vous cite, mêle les poncifs soviétiques à l'argot de la pègre. Bon, j'aimerais vous entendre sur ce lien du goulag, de la pègre et de l'État russe aujourd'hui. Et évidemment, ma question pour Aude Merlin, concernant Grozny, dont vous nous dites à quel point la Tchétchénie a souffert de ces guerres, qu'est-ce qu'il en est de la pègre? Est-ce que, au fond, là aussi, vous avez le sentiment qu'elle gangrène les institutions, enfin, pour ce qu'il peut y avoir d'institutions dans le pays? Est-ce que vous pouvez nous renseigner un peu là-dessus? Voilà, donc peut-être si vous voulez bien nous répondre, François Stomme, et ensuite vous, Aude Merlin. Oui, alors je reviens à une remarque de Solzhenitsyn, où je commencerai par une remarque de Solzhenitsyn qui disait que le régime soviétique avait voulu rééduquer les soviétiques à l'aide du goulag, et alors qu'en réalité c'est le goulag qui a rééduqué toute la société soviétique. Et c'est une remarque très juste et qui a été amplement prouvée par les développements ultérieurs. Alors, ce qui s'est passé avec le goulag, c'est que l'administration du goulag, elle était, bien sûr, elle dépendait du NKVD, enfin, ce qui est devenu le KGB. Donc, c'était les services de sécurité, de la sécurité d'État soviétique qui en étaient chargés. Et par souci d'efficacité, ils ont décidé de se reposer sur les truands pour faire régner l'ordre et la discipline dans les camps. C'est-à-dire qu'ils sous-traitaient en quelque sorte aux truands l'ordre dans les camps. Ce sont les truands, les blatnés, comme on les appelait, qui étaient en fait les sous-traitants de l'administration pénitentiaire. Et cette osmose entre les organes de sécurité soviétique et la
Pègre, elle est très ancienne, hein, elle remonte aux années 20. Un grand nombre de tchéquistes de l'époque de Lénine, de Dzerzhinsky, étaient en fait des truands, tout simplement. Et puis il faut rappeler que Staline lui-même avait organisé des braquages de banque, il restait à l'œuvre. Donc dans le parti bolchevique, il y a une mentalité de truand, tout simplement, hein, avec la parfait mépris de la propriété privée, du droit, etc. Et puis des méthodes de truand qui ont été employées dans la lutte pour le pouvoir, et une fois qu'ils étaient au pouvoir, ils ont gardé le même fonctionnement de l'esprit de bande, hein. C'est un esprit de bande, c'est des bandes, une bande qui est au pouvoir. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils n'ont pas l'idée d'un État. Parce que, encore une fois, c'est une structure verticale organisée par la bande dominante qui a le pouvoir. C'est ce qu'on a aujourd'hui avec Poutine. Poutine, il a une logique de bande. Il ne comprend pas ce que c'est quand il parle de l'État russe. En fait, c'est son pouvoir qu'il a à l'esprit. Il n'a pas du tout l'idée que le pouvoir, ça peut être des institutions, un équilibre, plutôt que le pouvoir peut être partagé, que l'opinion publique joue un rôle, etc. C'est pour ça qu'il ne comprend pas les sociétés occidentales. Il a été complètement stupéfait de la fermeté des réactions occidentales à l'agression contre l'Ukraine, parce qu'il pensait qu'il contrôlait une bonne partie des élites en Europe, et que par conséquent, il y aurait peut-être des petites sanctions symboliques, mais qu'il arriverait comme après l'annexion de la Crimée, à reprendre le business as usual. C'est ça. Vous dites d'ailleurs à un moment qu'il a pas la moindre idée de la puissance des institutions démocratiques. Des institutions et de l'opinion. Et il s'imagine que les Occidentaux peuvent contrôler l'opinion, les gouvernements peuvent contrôler l'opinion comme en Russie. Donc, et ça alimente évidemment sa paranoïa, parce que quand il voit les articles critiques, quand on lui fait part des articles critiques sur la Russie qui paraissent en Occident, il s'imagine que les politiciens, les élites politiques sont derrière. C'est ça. Donc ça alimente sa paranoïa. Cette incompréhension totale alimente la paranoïa de Poutine. C'est le fait qu'il ne perçoit pas le fonctionnement d'une société libre. Il ne comprend pas la liberté du tout. Merci. C'est ça le fond. Merci beaucoup. Aude Merlin, est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près la même chose qui se passe avec la mainmise des pro-russes en Tchétchénie? Alors, c'est très intéressant ce qui se passe en Tchétchénie, enfin, en termes en tout cas d'analyse. Hein, c'est très très triste et vraiment enfin, poignant et sur le plan humain. Et sur le plan analytique, et c'est vrai que justement sur la question de l'Empire et de ses avatars, ou justement de son évolution, je trouve que c'est un exemple d'une certaine façon emblématique, et comme je dis tout à l'heure, voilà, paroxystique, au sens où après deux guerres d'une très très grande violence, et donc la décimation d'un peuple, l'usage massif de la torture, les opérations de nettoyage, le fait de laminer la résistance armée, etc. Bon, bah, le choix de Moscou comme sortie de guerre, si l'on peut dire, a été vraiment la décision de mettre en place un format politique en Tchétchénie qui était donc de faire rentrer de force la Tchétchénie dans le giron de la Fédération de Russie, alors qu'au début, il y avait un projet indépendantiste, donc un projet de libération nationale, un projet anticolonial, un projet d'émancipation, et ce projet a été maté, réprimé de façon extrêmement violente, avec des conséquences sur justement la société tchétchène elle-même, enfin, qui sont des conséquences terribles. Enfin, c'est une société qui est laminée, qui est mutilée psychiquement, qui est détruite en fait, qui est très atomisée. Et en fait, sur le plan politique, le choix de Moscou... Alors la question de la pègre, pour moi, c'est une question très compliquée. Je ne suis pas du tout spécialiste de la pègre, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre de façon intelligente et documentée, mais en tout cas,
si je cerne bien le sens de votre question, c'est d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a une prédation ou une captation des institutions par une clique ou par une bande, en fait. Voilà. Et oui, bah là, oui, on peut dire effectivement ça. C'est-à-dire que Moscou a fait le choix de mettre à la tête de la Tchétchénie un Tchétchène. C'est-à-dire que ça n'a pas été le choix d'envoyer un représentant russe. Ça aurait pu être ce choix-là, hein, ce qu'on appelle la gestion directe depuis Moscou. Non, ça a été vraiment de mettre un local, bon, ce qui est aussi très classique dans les politiques coloniales, mais de mettre un Tchétchène en misant sur lui et en organisant donc une délégation en quelque sorte de la coercition. Un transfert des compétences à cette figure tchétchène qui était au départ le père Kadyrov, donc Akhmatradj Kadyrov, qui était supposé et vu de Moscou, et c'est extrêmement intéressant parce que ça fait vraiment écho à la façon dont, y compris à l'époque tsariste, le pouvoir russe voyait ces populations. Ça fait aussi écho d'ailleurs aux logiques coloniales des empires ultramarins sur la façon dont ils observent les sociétés autochtones et la façon dont ils essayent de tirer des lois de leur fonctionnement à travers des travaux ethnographiques, linguistiques, etc. Science coloniale, en fait, au départ par excellence, on vient analyser comment fonctionnent ces sociétés qu'on appelle des tribus, et alors on regarde comment elles marchent. Et en fait, le pari de Moscou, ça a été justement de s'appuyer sur une figure qui avait été un indépendantiste, le père Kadyrov, et qui était moufti des indépendantistes, et en même temps qui appartenait au clan le plus nombreux en Tchétchénie, à savoir les Benoïfs, les Benoïfs. Et ensuite, comme le père a été assassiné le 9 mai 2004, on pourrait revenir là-dessus, mais c'est un gros dossier, en fait, le choix qui a été fait a été de miser sur le fils Kadyrov, qui était à la tête de la garde du père Kadyrov. Donc toujours cette même logique, on prend un Tchétchène dont on suppose qu'il est déjà assorti d'une forte légitimité symbolique au sein de sa propre société. Il faut entre guillemets un Tchétchène pour tchétchéniser parce que les lois coutumières, les codes sociaux, les tabous sont vraiment très complexes et il vaut mieux que ce soit un Tchétchène qui comprenne comment tenir cette société plutôt qu'un Russe qui ne connaîtrait rien à cette société. Et on le renforce très fort à coup de pétro-roubles puisque la reconstruction de la Tchétchénie est directement financée par Moscou. Avec, au passage, évidemment, un enrichissement très fort des élites tchétchènes. Et c'est là qu'effectivement votre question intervient, c'est-à-dire que ce sont effectivement des personnes qui se retrouvent au pouvoir qui sont vraiment des criminels, qui ont fait... Donc c'est le cas aussi, on peut dire, en Tchétchénie. Qui ont utilisé la force, qui ont utilisé la torture. Et donc, de toute façon, dans la question de ce régime de Ramzan Kadyrov en Tchétchénie, il y a quelque chose de l'ordre... une espèce de laboratoire extrême de ce qu'est le régime de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'on a pu dire pendant des années, le régime de Vladimir Poutine est un régime autoritaire, et ce qui se passe en Tchétchénie, c'est la Corée du Nord. Donc on a une espèce de Corée du Nord au sein de la Russie. Et ce que je trouve très intéressant depuis le 24 février, et a fortiori depuis le 4 mars en Russie, avec les lois très répressives, avec le verrouillage de l'information, avec le contrôle de l'expression, etc., la pénalisation de l'expression sur la guerre, on ne peut pas prononcer le mot guerre, c'est d'une certaine façon, on a une forme de tchétchénisation. Enfin, logiques d'exercice du pouvoir en Tchétchénie qui sont extrêmement répressives, à un moment donné, un peu comme des métastases, finissent par se diffuser au sein de la Russie. Voilà. Très bien, je voudrais, nous arrivons à la fin de l'émission, j'ai encore une question qui me paraît importante. La dernière, vous demandez de devoir répondre très brièvement, c'est sur la question du projet allégué comme tel de Poutine et Dolgin, notamment de l'Eurasie. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur ce qu'ils entendent par là, l'Eurasie ouverte de Lisbonne à Vladivostok? C'est peut-être mystérieux pour un occidental. C'est l'idée qu'il y a une unité continentale que les anglo-saxons ont en quelque sorte empêché et qu'il faut éliminer les anglo-saxons d'Europe. De façon à ce que la Russie, qui occupe une place centrale en Europe et qui a un régime autoritaire,
donc qui est capable de fédérer tout le continent européen derrière elle au nom de la défense des valeurs traditionnelles, etc., qui sont mises en péril par les anglo-saxons. Ça c'est le projet géopolitique qui inspire les gens les hommes du Kremlin, hein, Poutine et les autres, hein. Et ce projet géopolitique est aussi présent il inspire aussi cette agression contre l'Ukraine, parce que l'Ukraine était perçue comme un obstacle à l'intégration du continent européen. Elle était perçue un peu comme un suppôt des États-Unis et des anglo-saxons en Europe. Donc, vous voyez, cette idéologie, elle est sous-jacente à l'agression contre l'Ukraine. Merci. Aude Merlin, très brièvement, nous sommes toujours à la fin de l'émission. Un mot sur l'Eurasie, qu'est-ce que... Oui, bah là aussi, on a une constante historique. Enfin, on le voit dans... ça remonte aussi au débat entre occidentalistes et slavophiles. Enfin, c'est-à-dire, finalement, toujours cette vision d'une Russie qui aurait une mission, qui serait un pôle, qui aurait véritablement à la fois un projet et qui serait voué à exprimer cette mission et à la conduire. Et alors, on l'a vu, enfin, de Panarin à Goumiliov, en passant par Dugin, dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit là de distinguer de façon très claire du monde libéral et de l'individu comme étant porteur en fait de droits et libertés au profit d'une lecture beaucoup plus holistique qui s'appuierait donc sur à la fois l'orthodoxie chrétienne et l'islam. On a dans cet eurasisme en fait justement une sorte de syncrétisme entre des religions monothéistes mais qui seraient sous-jacentes, et avec la logique continentale, la logique de l'empire et véritablement une singularisation par rapport au monde occidental libéral. Merci. Notre émission s'achève. Je remercie donc nos deux intervenantes, Françoise Thom et Aude Merlin. Notre émission donc s'achève. Vous la retrouverez chaque samedi, en tout cas samedi prochain, comme d'habitude à 18h30. Au revoir.